Bonjour, mélange de bonjour et bonsoir selon l'heure où vous regardez cette vidéo. Bienvenue dans mon univers, One Love. Pour ceux qui ne me connaissent pas, peu ou pas encore, je suis Dada Benz, être humain souverain. Artiste multifonction 100% libre et indépendant à but écologique, humanitaire, social et éducatif. Quelqu'un m'a demandé comment les Indiens, comment les natifs, les autochtones, faisaient-ils pour tuner? Comment tu dis ça en français, tuner? Régler? Tune. Ouais, en régler. Ça fait dur, régler. Non, moduler. Pour mettre les... Syntoniser? Merci. Accorder, harmoniser. Ouais. Dans quelle clé? Joli. Comment les Indiens faisaient-ils pour savoir que ça, c'était la clé de do, de mi? Il n'y avait pas de connaissance à la musique. Et puis, j'étais mais pas si, capable en de... fait, mais non, c'était pas écrit. La musique n'était pas écrite. Et non ne pas plus. Savoir ni lire ni écrire ne veut pas dire ne pas savoir parler. C'est que, j'ai dit, comment ils faisaient pour... partir la première note du bas, parce que c'est une gamme en pentatonique, tu sais, en penta. Il y a pas de... C'est surtout en mineur, quoi qu'on a des flûtes en majeur. Là, je pouvais pas vraiment répondre. Alors, j'ai appelé Black Feather. J'ai dit, Black, connais-tu un bon musicien, blablabla, tout ça, qui pourrait me répondre à cette question-là, parce que Black, il connaît rien en musique. Fait que là, j'ai dit, merde, je vais appeler Brian, celui qui a fait ma flûte en A432. Ah, je te jure, j'ai eu des frissons. Il me dit, j'ai dit, comment on faisait? J'ai dit, toi, j'ai dit, premièrement, j'ai dit, t'as un appareil qui le met en 432. Tu sais, je veux dire, t'as un appareil pour mesurer les fréquences en hertz. Et parce qu'au début, il m'a demandé, il dit, tu veux-tu en 440 ou en 432? J'ai dit, arrête-moi ça, 432. Ouais, mais il dit, un problème, tu pourras pas jouer avec personne. Tu ne pourras pas jouer avec un pianiste, avec un guitariste. Oui, avec un guitariste, oui, pas de souci. Lui, il peut accorder sa guitare en 432 avec dans un truc de réglage. Tu peux mettre ton la à la fréquence que tu veux. Hein. Donc, j'ai dit, ah, OK, avec un guitare, c'est parfait. Mais j'ai dit, pas grave, je vais m'arranger en 432, je vais avoir 432. Mais là, j'ai dit, j'ai une grosse question pour toi. J'ai dit, comment on faisait pour savoir justement que tu étais en 432 ou pas? Il dit, les musiciens natifs n'avaient pas de télévision, de radio, d'amplificateur, de ça. Donc, leurs oreilles étaient développées à un point où le tympan n'avait pas été abîmé par des ondes qui ne sont pas naturelles. On n'avait pas d'électricité, il n'y avait rien, il n'y avait pas de harpe. Tu comprends? C'est comme l'air était d'une pureté incroyable. Et là, j'ai dit, oui, mais ça me dit pas. Il dit, attends un peu, énerve-toi pas. Là. Il dit, là, ils se sont servis du cri et du chant des oiseaux. Ils prenaient, tu sais, comme un oiseau. Tu sais, la chanson Alouette, Alouette, gentil Alouette. Ben, c'est le son, c'est le chant d'un alouette. Tu sais, les oiseaux, ils ont toutes sortes de chants. Alors là, ils répétaient le chant et ils pouvaient passer une demi-heure à trouver la première note et la plus basse. Et à partir de ça, ils créaient leur gamme en pentatonique. Et j'ai dit, ils se sont fiés aux oiseaux. Ce sont les oiseaux qui nous ont donné le 432. C'est grave, hein? Ils avaient l'oreille tellement développée. Fait qu'ils essayaient de reproduire exactement le chant des oiseaux sur leur flûte et ça a commencé comme ça. Il y a des chants d'oiseaux qui sont très tristes, il y a des chants d'oiseaux qui sont très, très, très gays. C'est de valeur, hein? Gay. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce mot-là? Ah, merde. Donc, ben c'est comme le mec, il me dit, te souviens-tu, il dit, quand l'air était sale et le sexe était propre. Oui, c'est ça. En tout cas, et puis, tout ça pour dire que, oui, ils se sont servis des cris des animaux, des oiseaux en particulier, pour tuner leurs instruments avec la nature. C'est tout ce que je peux dire, là, à moins qu'ils aient reçu des connaissances anciennes dont on ne sait pas, parce que
Nous, les Autochtones, on a pas de bouquins. Ça n'existe pas des bouquins chez nous. Donc, c'est ça. Je voulais juste apporter mon petit apport là, par rapport à comment les premiers instruments, les premiers flûtistes ont commencé. Même chose en Égypte, hein, il y avait des flûtes, il y avait de la harpe, il y avait plusieurs instruments, une espèce de guitare qui ressemblait aussi. Donc, comment eux, ils ont fait pour accorder leur truc? Mais je sais pas. En tout cas, l'oreille, hein? Oui, l'oreille. Les jazzman noir américain, à l'époque, il y en a beaucoup qui connaissaient pas le solfège. Ils étaient debout, ils jouaient, ils ont fait des musiques sublimes. Ah ouais, c'est sûr. Copiés par des jazzman blancs plus tard, pour certains, où eux étaient assis avec les partitions, en lisant les partitions pour jouer la musique. OK. Ben moi, ce qui est arrivé, c'est ce que je voulais dire, mais je te jure, j'ai eu de la difficulté aujourd'hui un peu. Ma santé m'a appelé. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais de bon? J'ai dit, pas grand-chose. Elle a dit, ouais, mais là, t'es bien mieux de faire quelque chose parce que ça va pas bien ici. Fait que j'ai pris les moyens. Je prends les moyens. Hein, je veux pas. J'ai essayé de partir avant mon temps. Puis on m'a retourné ici assez vite. Fait que je me suis dit, bon, mon temps est pas fini. Hein, je veux. Puis là, il y a un de mes amis qui dit, Nanki, t'es bon pour encore 20 ans si tu t'occupes de tes trucs. Fait que c'est ce que je fais. Je ne veux pas rester 20 ans ici dans la condition terrestre dans laquelle nous sommes. Je me suis réveillé assez mal ce matin par rapport à un lien que j'ai reçu. La moquerie, là, je ne veux pas aller dans un autre sujet que la musique et tout ça. C'est pas le hangout n'a pas été créé pour ça. Mais j'ai pas eu un bon... je me suis réveillé un peu fru en écoutant ces vidéos. Qui nous descendent et qui se moquent de nous d'une façon... Ils essaient de nous débunker avec... C'est incroyable, c'est puéril. Mais c'est parce que je regarde leurs arguments, mais c'est tellement débile, c'est incroyable. Plus on devient viral, plus on devient menaçant. Et plus on est menaçant, plus on nous rentre dedans. Hein? C'est comme ça. Alors, j'ai mis mon grain de sel. Exactement, c'est les vibrations dégagées, justement. Donc, contre les ondes positives, ils envoient leurs ondes négatives, tout simplement. Ouais. Et voilà, et à propos de ça, justement, ça va corroborer ce que tu disais. Donc, je vais repartager mon écran. Et là, je suis sur le site officiel de iDoSurf. De? Ce logiciel iDoSurf. Oui. Donc, voilà, iDoSurf. .com, voilà. Binaural doses, donc dose binaurale. Okay. Simulate experiences, simuler des expériences. Donc, lorsque l'on va à propos, about, donc je clique sur à propos, et c'est effarant. C'est vraiment effarant. À part de About iDoser, là, ça me fait flasher sur quelque chose. Là, il y a une grosse mode, une grosse big fashion sur Internet. C'est des musiques qui sont générés par des fréquences, des ordinateurs. C'est ça, c'est ça. Et ça te met dans différents modes. C'est incroyable. C'est comme, ça me fait penser au film « Ah merde », comment il s'appelait avec celui qui avait fait justement la matrice. C'est un mec qui a un implant derrière, puis il transporte des documents dans son cerveau, puis on lui retire. Comment ça s'appelait? Johnny Mnemonic. Oui, voilà, ça me fait penser à Johnny Mnemonic. Et ça me fait penser aussi aux drogues qu'il y avait dans, justement, la fille qui était tatouée du lapin blanc. Ils avaient c'était des drogues, mais c'était pas du chimique, c'était comme des ondes ou je sais pas quoi qui créaient différents états d'âme et tout. Ouais. C'est vers ça qu'on nous amène, là. C'est ça, le tranquillement. Voilà. Donc, écoutez ça. Donc, welcome, bienvenue. Oui. iDoSurf.com leads the industry as a safe and effective way to help you achieve a simulated mood or experience. Imagine. Donc, en gros, iDoSurf est le leader d'une industrie qui vous aide à simuler
des humeurs ou des expériences. You can improve meditation. Vous pouvez expérimenter la méditation, chakra, kundalini ou spiritual. Endeavors, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est entreprises. Donc, endeavors, oui. Endeavors, c'est entreprise ou action ou dans vos projets. Ouais. Voilà, donc vous pourrez expérimenter une action spirituelle. En gros, you can try sexual enlightenment. L'illumination sexuelle, simulation romantique et plus. Ayez une expérience récréationnelle simulée ou simplement améliorer votre mood, votre état d'esprit. Ouais. Voilà. Nous sommes les originaires de ce concept de dosing digital, dosage digital, et notre expérience sont au-delà de 80% effectives. E-Doser offre également un full-time des doses de cerveau binaural constantes en full line qui ont été créées pour aider pour vous aider à contrôler tous les aspects et les des émotions humaines et des moods, ça veut dire je suis dans un bon mot. Ouais, humeur, merci beaucoup. Utilisez votre apps shorts et voilà. Ça c'est dangereux. Moi je me tiens très loin de là. J'en ai cliqué sur une là, justement dans le genre e-doser là. Et puis non, ça voilà, fait pas du tout ce qu'ils les disent. Les majors, hein. Les grandes maisons de disques, ils utilisent ça. Incroyable. Oui. Ben il y a ils mettent dans leur musique. Et voilà pourquoi. Il y a des musiques qui nous restent dans la tête et on ne sait pas pourquoi, alors que l'on n'aime pas ces musiques-là. Exactement. Ouais. Et voilà pourquoi les jeunes écoutent que des musiques de merde en ce moment. C'est des musiques qui sont agressives. Ils veulent créer des soldats. Ils veulent des soldats. Donc, déjà à 4:40, c'est un irritant. C'est un irritant parce que c'est pas. Même ta voix a de la difficulté. J'ai écouté des pièces en 4:32 et j'ai chanté par-dessus. Ah, mon vieux! C'est comme on dirait, ça reposait ma voix. C'est incroyable la différence de. Tu sais, écoute, pour 8 heures, tu peux fucker ton cerveau. Et la voix, elle est naturellement à 4:32. On est venu au monde en 4:32. On appartient à la nature. OK? Puis 4:32 ou 5:28, c'est la fréquence du gazon, des plantes, de tout ce qui pousse. 4:32, c'est la fréquence. 5:28, c'est la fréquence de la nature. Et 4:32, c'est la fréquence de l'eau. C'est ça qui est important. Parce que le « la », en anglais, c'est « hey ». C'est la première lettre, donc c'est la première note. C'est pas le « do », la première note. Tu comprends comment on nous a fuckés dans nos esprits? Ah, les astis chiens sales.